Eh hey, ouais. Les gars, c'est incroyable. Enfin, incroyable. Pas tant que ça. Hein. Le PSG a encore perdu. Non, mais j'en ai marre de cette équipe de fucking losers. Mais ils ont des moyens illimités. Fonds d'investissement du Qatar, des milliards. Ah bah, c'est pas le budget du FC Montluçon. Catherine, si on se faisait une tombola pour les protège tibias cette année. Tout cet argent, toute cette com, tout ça pour perdre. You fucking losers. Wallah, même si on achète Mark Landers de la Mupette, défaite. On s'écarte. Ils mettent des milliards sur des joueurs étrangers en pré-retraite. Alors qu'on est en Ile-de-France, on a les meilleurs joueurs du monde. Il faut recruter local. Tu vas dans le Triangle d'Or, Villiers-le-Bel, Saint-Donnel, Villiers-le-Bel, Saint-Denis, Bondy, tu prends 11 types au hasard, tu les payes en chicha en KFC, puis l'histoire elle est réglée. Non, mais dans le foot d'aujourd'hui, ils se prennent trop au sérieux. Même les entraîneurs au bord du terrain, costume, cravate. Mais non, on dirait des experts comptables. Et les interviews de fin de match concernant le bilan de ce match, on est clairement en débit. Mais où est passé Giroud, légende de la JOCR? Ouais, je suis fan. On sait pas si c'est un coach ou le boucher de Lyon. Bah, il a une tête de fait entrer l'accusé aussi. Et les joueurs, ils me font rire. Ils sont à la Fashion Week ou quoi? Ils arrivent au stade, Balenciaga, Gucci, pardon hein, des marques de pecno. Où sont passés nos chasubles Lotto, nos survêtements Kappa? Mais ils sont déconnectés avec leurs sponsors Zerma, Fly Emirates. Mais nous, on connaît pas Fly Emirates. À la rigueur, Ryanair, Ouigo, ça c'est bien. Ou encore mieux, tu sais, des marques qui parlent au français, Castorama, Saint-Maclou. Tu sais, le gars derrière son poste, il voit les maillots, ça fait tilt. Oh putain, faut que j'aille chez Jardiland, il y a des promos sur les débroussailleuses. Voilà, avec ça, tu relances la consommation. Fin de la crise, retraite à 55 ans. Oui, c'est ça la France qui gagne. On n'est plus des losers, on est des fucking winners. Bordel. Le problème du PSG, ils veulent trop la Ligue des Champions. Et quand tu désires trop quelque chose, bah tu l'as pas. Comme moi, par exemple, au collège Jules Ferry, je désirais trop Émilie Buisson. Du coup, j'en faisais des tonnes. Pento, brut de Fabergé, veste en cuir du daron, duvet de Chicanos, on aurait dit un narcotrafiquant de 50 piges. Hey, j'ai arrivé comme ça dans la cour, oh yeah, sympa paille. Du coup, bah Émilie, elle me calculait pas, elle avait bien raison. Alors que Mathieu, il jouait plus relâché. C'était un skater babacool. Il fumait des roulés, il prenait pas de douche. Il se baladait même avec un furet sur l'épaule. Émilie, elle était grave sur ses côtes. Mathieu, je peux toucher ton furet? J'ai dit, ah, c'est comme ça. L'année d'après, je revenais de Marrakech. J'ai ramené un serpent de Jalapena. J'étais là. Ça va, Émilie? Tu veux toucher mon serpent? Alors, conclusion, bah ouais, mais il n'y avait pas MeToo à l'époque. Conclusion, les amis, j'ai un message aux supporters du PSG. Au lieu de mettre 100 euros au parc, mettez 25 euros pour voir mon spectacle tous les vendredis et samedis à l'Apollo Théâtre. Autant promo. Et il est génial, je l'ai vu. Merci, il est incroyable. Donnel. Il est incroyable. C'est beau la camaraderie. Merci Jamil Le Schlag. Je peux témoigner qu'il est arrivé ce matin au bureau en survêtement taquini.